Et en termes d'inscription cette année, il y a combien de participants? Alors, nous avons un budget à ne pas dépasser. Il y a beaucoup de demandes, surtout des équipes françaises, des équipes invitées qui souhaitent venir sur le Tour de Martinique. Mais on peut pas dépasser 7, 8 équipes parce que de leur arrivée en Martinique, pour le transport, c'est près de 48 000 euros d'avion. Et ensuite, l'hébergement, c'est plus de 58 000 euros d'hôtel, d'alimentation. Et sur Et plus tu vas inviter du monde, plus tu vas payer cher. Donc, il faut qu'on s'arrête à un certain moment aux équipes invitées pour un petit peu avoir un peloton d'à peu près 100 à 120 partants. Et puis, il y a les équipes de Martinique qui sont chez eux. Là, ils peuvent mettre la quantité qu'ils veulent, puisque nous ne prenons pas en charge les équipes de Martinique que pour le repas le midi. Et chaque équipe font comme ils veulent. Ça veut dire qu'ils retournent dans leur hébergement pour être présents au départ le lendemain. Tandis que les équipes invitées, nous devrions les véhiculer, le transport dans le car, tout ce qui concerne sur place comme alimentation, et puis surtout l'hôtel qui puisse être hébergé. Donc ça demande un budget énorme. Vous avez constaté pour ces deux postes, le poste voyage plus hôtel, on a quitté déjà 100 000 euros. Mais le partenariat ne joue pas un rôle, ça ne peut pas travailler avec des personnes des établissements qui disent bon, ben, bon. Après le Covid, le partenariat est devenu très difficile. Et que les entreprises n'ont pas repris leur vitesse de croisière. Nous avons pour preuve, et ça fait débat, l'augmentation du prix du billet d'avion depuis après Covid. Ah, c'est vrai. Et là aussi, c'est une grosse difficulté. Tout a augmenté. C'est vrai. Vous le savez bien. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, donc les difficultés que nous rencontrons, c'est la discipline sportive qui en pâtit de tout ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous sommes des dirigeants qui ont une certaine résistance pour se mettre tous les jours au charbon pour permettre une amélioration, afin de permettre que cette manifestation puisse perdurer. Mais il devait quand même tenir compte du voyage de groupe, quand il parle de voyage de groupe, quand même, et surtout sur le plan sportif. Je pense qu'il doit être dû compatir à ce type d'événement et faire quelque chose pour les. Oui, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de petits partenaires au niveau du groupe. Le prix du billet que vous aurez pour 10, 15, 20, 30 personnes, ce ne sera pas le même prix que si vous serez seul. Alors, Mais en tout cas, le partenaire tient compte de tout ça, puisque plus il y a du monde, c'est plus le prix du billet va diminuer. Un jour, dis-moi, j'ai à mes côtés un ami qui est passager là, et il est toujours sur les handicaps, voilà, tous les je jours. Profite pour lui de me poser deux ou trois questions rapidement. Ouais. Ok. Allô? Oui.
Alors donc, bien, bonjour Jean-Marc. Bien Félix. Comment ça va? On nous met ce petit bois. Oui. Ça va. Alors, on se rencontre à chaque étape. Et comment tu as trouvé la course aujourd'hui? Non, pas à toutes les étapes, parce que je ne suis pas à moto cette année. Mais je n'ai pas très très bien suivi la course. Je n'étais pas forcément à l'écoute de la radio, mais je les ai vus passer à l'estrade au Robert. Et c'était très spectaculaire, et Carnier était devant. Ouais. Au moment où je les ai vus passer, il était à peu près 11h du matin. Ouais. Donc, mais c'est Carnier, on sent qu'il est jeune, mais quand il parle, il est affirmatif, il dit, quand il fait ça, mais mine de rien, il est souple, il ne s'engage pas fort, mais il est toujours présent. Oui, il a beaucoup de supporters en Martinique, mais il faut dire là maintenant que les étrangers sont très forts. Hein. Il y a encore un stimistique là qui a gagné pour la deuxième fois, et c'est très très dur. Il faut tenir jusqu'à dimanche. Mais tu as dit stimistique. C'est quasiment une mystique quand il a fait, parce qu'il est très bien, il parle une fois la fête. Ah ouais, il parle une fois la fête, et puis c'est un Estonien. Ouais. Donc c'est tout état là, c'est pays état là, ça va pas jouer. Ah, et pourquoi il y a bon sur du plat comme dans les montées, ils vont tout partout. Ouais. Dans les descentes, tout partout. Pas même pas. Les descentes, il va là, il est. Alors, Jean-Marc, merci. Oui. Nous parlons en été. Eh bien oui, nous allons tout de quoi nous. Alors, mon père est là tous les jours, mais mon père est là. À Ducos, ouais. Commune moins, ouais. Au François, pas sûr, mais il y a pilote et la montagne, moi là, pas de problème. La montagne, attention, dimanche, c'est 6 tours. 6 tours la montagne, bah, la longue tout bonnement. Ouais. Donc, venez supporter, venez porter bouteille de l'eau, coca, tout ça. Oui, puisque il y a eu un peu monté à l'Ochar, donc il y a eu 6 tours en échange, quoi. C'est ça. Voilà, ouais, comme chaque année. Ok. Eh bien, merci encore. Thierry Bellet Amoli, et puis bonjour à tous les auditeurs. Oui, auditrices. Voilà. Merci.